Chaud les gars, on se retrouve pour la suite d'MG5 The Phantom Pain. Alors j'étais en train de faire une mission secondaire et en rentrant dans l'hélico, il y a Kaz qui est venu me parler. Du coup, je vous finis ma discussion et on enchaînera avec une mission avec Paz et ensuite on enchaînera avec une mission principale. Donc, il nous parlait de la zone de quarantaine, vous savez, celle qu'on a dû tuer nos hommes et tout. Donc, on y go. Ah, je devrais l'écouter. On va le faire, hein. Donc, c'est quoi qu'il a, truc de interrogatoire de Yui, c'est ça? Pourquoi il y en a deux? Attends. Well, doctor, I have the report on the incident at the quarantine facility. Assuming the vocal cord. Ça, par exemple, ça aurait été bien cinématique, vous voyez. Underwent a mutation. The only plausible explanations are exposure to some high concentration mutagen or radiation. As you know, some of the staff at the quarantine facility were infected with the parasites. The Wolbachia prevented them from copulating, but the parasites themselves can't be removed from their host's vocal cords. Ah merde. Once you're infected with Skullface's parting gift, you're stuck with it. The researchers regularly used X-ray equipment to monitor the parasites in their throats. No problem there, they kept a close eye on the radiation doses. But that equipment didn't just give off X-rays. It was also emitting beta rays. Even though that's unnecessary for the scans. See, beta rays have far worse effects on DNA than X-rays. Meaning the only logical conclusion is that someone added in a beta ray emitter to trigger a mutation. Those beta rays leaked out from inside the equipment. Because the emitter was retrofitted, the shielding was inadequate. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais c'est intéressant. The person who inspected the equipment was you, doctor. Arrête d'aboyer. That makes you the only person with the opportunity to install that emitter. So now you're saying I sabotaged medical equipment for some wild plan to make the vocal cord parasite kill everyone? Or maybe you thought it'd reveal a way to treat the parasite without using the Wolbachia. And with that much to barter, I suppose some people would welcome even a pathetic cur like you. Just stop it! You'd have no shortage of buyers, but most would be happy with just the parasite. You wouldn't need to offer anything else. However, if that buyer already knew about the parasite, they'd also know that by itself, it's no longer the ultimate bargaining chip it once was. To sell to that buyer, you need to throw in a bonus, a way to one-up it. There's only one buyer who'd be after that. Cipher. Emmerich, we record all communications on Mother Base. That includes radio transmissions to and from homemade devices. You've been in frequent contact with people in America. A private biotech company. A client of which is DARPA. Révélation. And they are connected ben to voilà. Cypher. C'est ce que j'allais dire. Made a deal with Cypher. You offered them a new parasite in exchange for your safety. This is the only place in the world where the vocal cord parasite still exists. And you used it as a testing ground. Tried to resurrect their bioweapon. But your plan to obtain the parasite has failed. Your bullshit ends now. I don't think you're leaving here alive. Oh. Donc, Yui est bien un traître. Je le savais. Donc, ouais, le chef du DARPA, c'est l'otage qu'on sauve dans... qu'on doit sauver dans MGS1, dans Metal Gear Solid 1, donc en 2000... en an 2000, je crois. 2002, il me semble. Et donc c'est un des membres des Patriotes. On ne savait pas, on connaissait pas les Patriotes à cette époque. Donc voilà, mais c'est pour ça que quand il a dit DARPA, j'ai été wow. Wait, wait, what are you talking about? Just what do you plan to do? Present the charges against you and render an appropriate punishment. You're gonna put me on trial? Call it what you like. What's the meaning of this? Out of here, all of you. Back to your posts. No, hang on.
Huey has killed their comrades and interfered with their lives. L'échange en public. This is insane! You have no evidence whatsoever! You say you're an army free from government. You talk big about being a nation unto yourselves. But from the outside, you're just thugs, rebels, a militia, terrorists, an unhinged threat to society. You're nothing but a bunch of psychopaths! Ah ouais, il parle comme ça, lui. You're... So you're not with us. Ah, oh, c'est bien ça. Oh, il l'a mis en position fétale avec ça. Men, you will have justice. But our organization, the boss's organization, is built on order and reason. There will be no lynch mob. So stand down for today. Moi, j'autorise le lynchage. C'est moi le. And then he will be tried. Ah, il faut que je vous montre un truc intéressant. What do you think you're doing? Faut que j'y pense. Go ahead and execute me. It'll be murder in the eyes of the world. You've lost your minds. Don't you get it? You're seeing phantoms. C'est le Phantom Pain. Just look at that dog. No. You quoi, dit dog? But it's obvious. Anyone could see that's a wolf. Because it's a bunch of wild dogs. You wanted to believe he was too. To feel some connection, to fight your loneliness. You mais non, t'es un chien. To cling to prove you deserve to be alive. You wanted to forget the death. Le mec utilise un chien dans pour comme dogs, or wolves, or even big boss. The boss is the same, isn't he? Every one of you is alone. That's why you suspect your own. I know. Because I do the same. I'm one of you too. Le mec il va se faire exécuter, il dit mais non, mais c'est pas un chien, c'est un loup. Et c'est son meilleur argument. Open your eyes. What you're doing is murder. Plain and simple. Eh, le tuez pas. Attendez, je vais assister moi. Je vais appuyer sur la détente. Ok, chaud quand même. Ouais, donc attendez, il faut que je vous montre un truc. Regardez sur l'épaule de Snake. D'accord, là ça le fait. Voilà, ça brille. Et souvenez-vous, dans la cinématique où j'ai pas pu parler justement, dans la précédente vidéo, Snake dit que les cendres des mecs qu'il a tués, de son équipe, enfin qui ont été affectés, il va en faire des diamants pour qu'il l'accompagne au combat. Et du coup, bah, les diamants ils sont sur son badge. Donc c'est classe, c'est vachement classe. Donc, on va retourner à la Mother Base, on va voir Paz. Non, mais non, je suis con, putain, il faut aller voir Paz. Je me suis pas mis sur la bonne plateforme. On va aller voir Paz parce que je lui ai donné toutes les photos et j'ai pas eu de cinématique. Donc c'est bizarre. Et j'ai vu que j'avais une mission à faire. Mais c'est une mission qu'on a déjà faite. Du coup, s'il reste un peu de temps, je la ferai en vidéo pour très rapidement parce que je pense qu'elle va être rapide. Il n'y a pas de cinématique, tant pis. Mais je vois pas comment. Mais t'es pas un chien, t'es pas un loup, toi t'es un chien. Mais oui. T'es un petit toutou. Alors, attendez. Ah, excusez-moi. Donc ouais, j'espère finir le jeu ce soir. Là, on est le 26 septembre et j'espère finir le jeu ce soir et je vais essayer de rusher jusqu'à la fin. Enfin, profiter du jeu, mais faire toutes les missions, quoi. C'est, quitte à faire une nuit blanche, tant pis. Parce qu'après, je pourrais plus rentrer chez moi, je devrais attendre 2 semaines pour finir le jeu. Allez, viens sur le carton avec moi, Didog. Google avec votre entraînement. On va aller voir Paz. C'est très bizarre qu'il n'y ait pas eu de cinématique. Vu que j'ai montré toutes les photos, je pensais que... Je sais pas.
En tout cas, on est à la mission 47, il me semble. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Regardez. J'ai fait la mission 44. Please select a mission. Voilà, et ça me passe directement à la 47. Donc c'est, j'ai pas la 45, ni la 46, ni la 47. Du coup, c'est très bizarre. Et bah ouais, c'est très bizarre. Et il me reste une mission importante apparemment, parce que il manque la 150, et je sais pas si c'est un truc sur la Mother Base ou pas. Oh! Ma boîte en carton, elle est partie. Blablabla, c'est là. Tac. On va aller voir Paz. Paz. Dégage. Non? Snake? Yamete Gudasai? Non, moi je ramasse son livre, il n'y a pas de cinématique. Bon, c'est bizarre. C'est très bizarre. Je sais pas comment faire pour déclencher. Je sais qu'il y a une scène finale avec Paz. Thank you. You are always so kind to me, Snake. Peut-être belles narines, tu sais. Elles sont bien faites, ces narines. Elles sont bien faites, pardon. You will come back, right? Ouais. Putain, elle a des chiottes à elle et tout. Ok. Oh. Réminiscence. Oh, si, il fallait ramasser l'affiche. Oh. Stay away. Pass. Ah. Ah là, c'est règle. Non, je rigole. Je me tais. Ah! Ah! Arrête! Et l'autre, il s'en bat les couilles. Hein. Mais arrête là, mais t'es con, Snake! Ah non, mais c'est faux. What? Hein? J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une vraie bombe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comme dans MGS3. Sauf que le papillon était, c'était du C4. Ah, il hallucine. Non? Oh, c'est une hallucination? Attendez. Cassette obtenue, attendez, on va l'écouter parce que là je suis perdu. C'était une hallucination, Paz, en vrai? Elle a jamais existé? Ça expliquerait. Ça expliquerait pourquoi. Pourquoi Kaz nous en a jamais parlé. Enfin, moi je serais à la place de Kaz, Big Boss, enfin le chef revient. Je lui avoue qu'il y a Paz qui est une agent triple, qui est de dans l'autre base. Si j'avais pas trouvé, il nous l'aurait jamais dit, donc. Every morning I wake up expecting it to come. But it is always 3 days away. That cannot be it.
not woken up at all. Désolé. It is just a dream. It is all a dream. I am in it. And you are in it too. I am the dreamer. But you are having my dream. Do you get it now? You do, don't you? Peace day. Never came. With 3 days left, I followed my orders from Cypher and launched the operation. I hijacked Zeke. I fought Snake. I lost and was thrown into the ocean. I survived, but I was captured by Cypher. How happy I would have been if they had let me die then and there. Our wishes do not come true. We just cling on to our dreams. Our phantoms. Mine. And yours. But I think this one is coming to an end. After all, you have figured it out now. You can kill Skullface, murder Huey, slaughter Zero, burn the whole world down. But it still won't bring me back. Me, or any of the dead. And that was our business. War. We bought our daily bread with money paid to us for killing. Maybe us getting killed was just balancing the scales. You know, Mother Base was never the heaven we wanted it to be. But I was still happy to have lived with everyone there. It was such a short time. Such a hypocritical peace. But while I was on Mother Base, I was happy. So, I hope I am not the only one who looks back on those days with happiness. There is more to remember than hatred. Oh, pardon. Je crois que j'avais coupé le micro. But of course, this is you thinking that I should think that. It is no mystery now. I am just a phantom. A fragment of the mind you have lost. The real me died a long time ago. But even so, more so, I can tell what you are really feeling. The real emotion that is locked away at the bottom of your heart. Let it fly out. Let it guide you. Live. I think it is my job to tell you that. That is why I exist. So this tape is the last one. Once you are done listening to it, I am one phantom limb that will be gone for good. My flesh, my bones, joining the silt on the ocean floor. But do not forget, as long as you remember me, I will always live within you. Not a phantom limb or a phantom anything. As part of your heart. I will always be your angel of peace. So, I know exactly how to finish. Say peace. Ok, je suis pas sûr d'avoir compris. Et là, je suis bloqué, je suis censé me suicider, c'est ça? Non, sérieusement, comment je fais? Je peux pas. Comment j'ai fait pour atterrir ici? Déjà, premièrement. Attendez, mais pas alors, c'était une hallucination? Ouf. J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. On va essayer d'y retourner. J'ai pas compris, mais vraiment. Bon, on peut plus y aller. Bon, mais l'intrigue avec Paz est finie. Je suis désabusé. Je ne m'attendais point à cela. Ouais. Même pas du tout à ça, je m'attendais. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre que... Je sais pas. J'ai pas compris. Elle s'est éventrée devant... C'était une imagination. Enfin... C'est un
Et du coup, c'est quand qu'elle a fait ces cassettes? Les cassettes qu'on vient d'écouter, c'est quand qu'elle les a... Les cassettes aussi, c'est une imagination? Non, mais non. Je sais pas, je comprends rien. Je regarderai sur internet des avis des gens pour mieux comprendre. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. Et j'ai une mission principale à faire, mais qu'on a déjà fait, du coup je vais la faire hors caméra. Parce que j'ai plus trop d'espace sur mon ordinateur en fait. Et du coup je préfère gagner le maximum d'espace. Et de toute façon moi ça me permettra de la faire... de tricher peut-être, enfin d'utiliser le camouflage optique. Enfin de la faire en mode dégueulasse quoi. Parce que quand je filme j'essaye de faire un minimum de jolies choses. Je vais pas cheater pour... Genre si je pouvais foncer directement à l'objectif et me foutre de tout quoi, enfin bref. En tout cas ouais, bah, je m'attendais à avoir des infos sur Cypher ou des trucs comme ça, mais au final... Mais si Paz c'était une imagination, tout peut être une imagination alors, enfin une hallucination plutôt. Si ça se trouve, à la fin du jeu, on va nous dire que les Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 et tout, ils se sont jamais passés, c'est toute l'imagination de Big Boss. Parce que pendant ces jeux-là, pendant MGS 1, 2, 4 et tout, Big Boss, il est dans le coma. Enfin, dans une espèce de coma artificiel. Du coup, ils vont nous dire que... ils vont nous dire qu'en fait, c'était une hallucination, les jeux précédents. Ah merde. Bref, moi je vais faire ça hors caméra, parce que c'est pas très intéressant à voir. Et...